C'est à toi, Guillaume. Tu peux y aller. Alors bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous proposer ce soir le premier rendez-vous du centenaire du Parti communiste. Nous n'avions évidemment pas prévu l'an dernier un programme de cette nature. Cependant, l'évolution de la situation sanitaire nous a amenés à organiser, à partir d'aujourd'hui et jusqu'à la fin de l'année, toute une série de débats numériques qui devraient se tenir le samedi et le mardi à 18h en ligne sur la page Facebook du Parti communiste français et sur la page Facebook du centenaire du Parti communiste français. Des débats pour comprendre un siècle d'histoire, des débats pour penser aussi le présent et l'avenir. Donc je vous rappelle les adresses de ces deux pages. Si vous m'écoutez en ce moment, c'est qu'a priori vous les connaissez. Je vous le rappelle cependant. Donc facebook.com/parti communiste ou facebook.com/centenaire PCF. Ces débats en direct seront ensuite mis en ligne sur la chaîne YouTube du Parti communiste, youtube.com/CNPCF. Je vous indique également qu'il y aura d'autres vidéos proposées nationalement, en plus de ces débats numériques, des vidéos plus courtes, mais aussi des appels à vidéos, à ce que vous réalisiez des vidéos à propos de ce centenaire. Car quand on dit Parti communiste en France, ça parle bien sûr aux militants actuels, mais ça parle bien au-delà d'elles et eux. Ça parle notamment à ces millions de Françaises et de Français qui ont un rapport personnel, intime, direct, familial avec le Parti communiste. Cependant, le centenaire ne sera pas 100% numérique et je voudrais vous signaler au début de cette première émission plusieurs publications qui ont été consacrées à ce centenaire. Je voudrais commencer par la première dans l'ordre chronologique, si je ne m'abuse. C'est donc ce numéro double de Cause commune, 100 ans d'histoire, qui est donc ici. Et ce numéro a été prolongé dans le numéro qui va sortir dans quelques jours, qui sera consacré, lui, à la perspective communiste aujourd'hui. Par ailleurs, dans le cadre de ce centenaire, plusieurs expositions ont été envisagées. Une exposition originale d'affiches prévue par la Fondation Gabriel Péri. Et cette exposition, dans le cadre actuel, aura du mal à se tenir d'un point de vue public. Cependant, le catalogue de cette exposition, donc aux éditions Helvétius, 100 ans d'histoire de France et du PCF sur le mur, avec, vous voyez, une introduction et puis donc différentes reproductions de ces affiches qui traversent le siècle. Par ailleurs, est sorti il y a 2 jours donc l'ouvrage un peu peut-être le plus global donc sur ce siècle, par-delà cette exposition d'affiches, donc 100 ans de Parti communiste français aux éditions du Cherche Midi, où la parole est donnée à de jeunes historiens, une trentaine, quelques sociologues également, qui évoquent année après année, si vous voulez, le siècle du Parti communiste français. Exposition enfin, la dernière, qui aura lieu l'année prochaine et qui sera davantage concentrée sur les questions artistiques et qui a donné lieu à la publication d'un ouvrage qui évidemment me manque présentement, mais qui s'appelle Libre comme l'art. C'est un très bel ouvrage qui retrace donc ces relations entre le Parti communiste français et les artistes pendant un siècle, à travers une exposition donc, qui sera présentée l'année prochaine, si tout va bien, et le catalogue est disponible aux éditions de l'Atelier. Je ne pourrais pas signaler l'ensemble des publications consacrées au centenaire du Parti communiste français, parce que en réalité, ce centenaire s'est accompagné de très nombreuses publications. Peut-être signaler rapidement l'anthologie de discours qui est prévue au Temps des Cerises et le journal de Maurice Thorez qui a été publié aux éditions Fayard. Après donc ces informations, je voulais donc vous dire qu'il nous semblait qu'il fallait commencer ce. Premier des rendez-vous numériques avec le Congrès. Or, comprendre le Congrès de Tours n'est pas si simple. Évoquant la guerre, les poilus, dans ses 12 lettres d'amour aux soldats inconnus, le poète Olivier Barbaran a ces mots si justes. Il dit: toute cette période, la vôtre, où je me noie, est à ce point estompée désormais que j'imagine avec effroi l'appareil d'explications en bas de page, de parenthèses, de tableaux qu'il aurait fallu pour que le jeune homme de l'autre nuit puis nous suivre et se retrouver en vous. Ainsi, une émission avec des historiens a paru indispensable pour retrouver le Congrès de Tours et le comprendre. Et donc ce soir, nous avons le grand plaisir d'accueillir normalement 4 historiens
qui devait être avec nous pour évoquer le congrès de Tours. D'une part, Adeline Blaskiewicz-Maison, qui est doctorante à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et qui a notamment travaillé et qui continue de travailler sur une figure qui n'est pas, qui ne prendra, ne fera pas le choix de l'adhésion internationale communiste, mais qui hante pour une part le congrès de Tours comme figure répulsive, c'est Albert Thomas. Mais il se trouve que, de la même manière qu'Albert Thomas n'était pas au congrès de Tours, finalement, Adeline Blaskiewicz-Maison, malade, ne pourra donc pas être avec nous ce soir. Donc, il n'y aura pas Albert Thomas avec nous ce soir. Après Adeline Blaskiewicz, je voudrais signaler et remercier donc, Frédéric Genevet, qui est historien, agrégé docteur en histoire, et qui est le président du musée de l'histoire vivante, et qui a notamment coordonné cette exposition qui, elle, a eu la chance de pouvoir se tenir à Montreuil, et donc ce catalogue, ce livre, donc lié à cette exposition, donc aux alentours du congrès de Tours, qui est ici. Je remercie également donc Jacques Giraud, qui est professeur émérite à l'Université Paris 13, Villetaneuse, Paris Nord, qui est l'auteur de très nombreux ouvrages et articles consacrés au Congrès de Tours. Alors, pour ne parler que des siens qu'il a signés ou qu'il a dirigés seul, je voudrais signaler cette plaquette-là, donc de 1990, donc les héritages du Congrès de Tours, 1920-1990. Et puis, tout de suite, faire la transition, peut-être avec le dernier historien qui nous fait le plaisir d'être avec nous, donc Jean-Louis Robert, professeur émérite à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, puisqu'ensemble, ils ont contribué à l'édition critique de ce livre important donc de 1980, où on retrouvait donc les actes, en quelque sorte, du congrès de Tours à partir du sténogramme édité après le congrès de Tours, donc ici, et ouvrage qui a donné lieu à un prolongement 10 ans plus tard sous cette forme-là, en 1990, et qui devrait donner lieu à un prolongement nouveau au temps des cerises dans la prochaine période, si tout va bien. On pourrait signaler peut-être d'autres publications encore des uns et des autres, peut-être juste signaler que Jean-Louis Robert est notamment un spécialiste important de la Première Guerre mondiale et des relations entre les ouvriers et la Première Guerre mondiale. C'est ici la version éditée de sa thèse d'État. Bien, ces précisions étant données, je vous propose qu'on ait peut-être 3 quarts d'heure d'échange autour de ce congrès de Tours fort lointain, mais il m'a semblé un peu étrange de vouloir nous plonger directement dans le congrès sans passer par ce qui est sa porte d'entrée un peu inévitable, à savoir la guerre, la Première Guerre mondiale. Et de ce point de vue, peut-être qu'on pourrait commencer par vous, Jean-Louis Robert, peut-être pour que vous nous évoquiez un petit peu cette Première Guerre mondiale, ses effets dans la société française, et puis ses effets aussi du côté du mouvement ouvrier. Oui, mais il faut d'abord commencer sans doute par la dimension politique immédiate, c'est-à-dire le choc de 14. On ne peut pas comprendre l'histoire de Tours, le congrès de Tours, l'histoire de l'immédiate après-guerre, sans comprendre le choc de 14 et évidemment les lectures qui ont suivi immédiatement ce choc et dans les années qui suivent et qui font encore partiellement débat d'ailleurs dans l'historiographie. Et donc l'entrée en guerre de l'essentiel de l'international dans la défense nationale, dans la plupart des pays, sauf deux exceptions, le parti bolchevique et le parti socialiste serbe, c'est un choc pour tout le mouvement ouvrier qui s'était quand même construit sur l'idée de la possibilité d'une lutte. On se rappelle des phrases de Jaurès hein, à Bâle hein, sur la menace de la guerre et la nécessité de se battre contre elle. Et là, il y a ce choc terrible de voir ce ralliement, en tout cas de l'essentiel des dirigeants et de beaucoup de militants, ne réduisons pas ça aux seuls dirigeants, à la défense nationale. Donc, déjà, on serait sur un premier niveau d'analyse pour comprendre toute la suite, c'est en quoi ce ralliement est une trahison. Donc voilà, déjà, on rentre dans un schéma à partir du moment où c'est trahison, si on commence à penser que Tours, c'est une scission,
Une scission, ça se passe à un moment où il y a des désaccords politiques, mais où ces désaccords politiques atteignent un niveau où, au-delà même des influences générales, politiques, des désaccords politiques, du poids de l'international, etc., la troisième internationale, etc., il y a un moment où il y a une acceptabilité, voire un désir de la scission. Et à partir du moment où il y a acceptabilité, voire désir de la scission, il y a des désaccords politiques profonds, mais il y a une dimension morale. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, l'adversaire, qui n'est pas d'accord avec vous, ne peut plus être pensé que comme un traître. Puisque, voilà, c'est impossible. Pourquoi est-il pas sur cette position? Et donc là, il y a quelque chose d'essentiel quand on voit la façon dont, effectivement, on a traité les uns ou les autres en fonction de ce moment clé politique de 1914. Et alors, après, peut-être que vous dites traître parce que la SFIO, donc le Parti Socialiste, qui donc avait été créé, unifié en 1905, s'était illustré beaucoup sur la thématique de la paix. C'est-à-dire que pendant les années d'avant-guerre, notamment, les socialistes étaient beaucoup mobilisés pour la paix. Et donc, vous semblez indiquer que le choc de 1914 et le fait que les socialistes, finalement, entrent dans l'Union sacrée, nourrit cette lecture de trahison que vous indiquez. C'est oui, bien ça. Pas que les socialistes, hein, la direction de la CGT joue au secrétaire confédéral qui venait plus ou moins de l'anarcho-syndicalisme, qui n'en était probablement plus à ce moment-là, mais qui en venait, se rallie aussi. Moi qui travaille maintenant plus sur la commune que sur le communisme, voir Vaillant écrire des articles dans l'Humanité en 1914 pour dire oui, maintenant faisons la guerre. Il n'emploie pas le terme de la revanche, hein, mais voilà, il emploie le terme de défense de la patrie et il fait les comparaisons entre la situation, entre l'avancée allemande en 14 et l'avancée prussienne de 1870. Donc on est voilà, on voit un ralliement qui est en partie, indiscutablement, le reniement de positions politiques antérieures. Il ne faut pas non plus, comme font certains, ne parler que d'un emballement général. Il y a quand même aussi un reniement de positions qu'on avait envisagées, au moins ne pas voter les crédits de guerre, par exemple. Il aurait été un minimum de dire, bon, on ne peut pas s'y opposer, mais on refusera de voter ces crédits, ce que certains députés socialistes vont finir par faire, mais seulement quelques années après. Donc voilà, il y a ce premier point qu'il faut comprendre qui va marquer toute l'histoire et encore très longtemps, pendant des années, on va… et là, on est à un problème d'articulation très complexe qui se retrouve en 40, qui se retrouve en 70-71 sur les rapports entre… le mouvement socialiste et l'internationalisme et le patriotisme et comment ça joue constamment de façon extrêmement, extrêmement complexe. Alors après, il y a une deuxième partie qui est évidemment le développement même de ce qui va se passer pendant la guerre, sur lequel je peux aussi intervenir maintenant ou attendre un peu comme vous le souhaitez. Ben, comme vous voulez, effectivement, parce qu'au départ, il y a ce moment 14 et puis peut-être qu'il y a une… Les consciences évoluent peut-être progressivement par rapport à cette question. Donc, je ne sais pas si sur cette question, Jacques Giraud peut-être veut dire quelque chose ou Jean-Louis Robert, vous continuez ou comme vous voulez. Je peux continuer après les autres. Je peux continuer sur un aspect. Je ne parlerai pas de l'aspect politique, hein, et je laisserai peut-être le développement politique après. Mais cette guerre, on le sait, elle devient une guerre mondiale longue. On avait pensé qu'elle durerait quelques mois, en tout cas certains, et elle dure, et on sait qu'elle est d'une violence extrême, mais elle a une particularité, c'est qu'effectivement, ça devient une guerre totale, économique, industrielle, et où les États, c'est pas seulement le cas de la France, vont s'engager à fond dans une mobilisation générale de tous les aspects de la vie. Et si on refère maintenant au mouvement ouvrier même et aux transformations sociales, ça va jouer, alors là, je pense que
notre intervenante aurait pu le montrer, ça va jouer sur le développement d'une économie de guerre partiellement contrôlée par l'État, encouragée et financée d'ailleurs par l'État, qui va conduire à des mutations très, très importantes dans la classe ouvrière. Ces mutations sont en partie encouragées en France par Albert Thomas, qui voit dans la guerre l'occasion d'un laboratoire social. Peut-être qu'il faut préciser. Ce qui est fondamental, à mon sens, à comprendre, c'est que dans cette période, se développent deux possibles, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, c'est complexe, il n'y a pas une alternative possible qui se développe dans cette circonstance. C'est-à-dire qu'il y a un possible, qui est celui qu'Albert Thomas va définir, et d'autres, qui est un possible de réformiste. La classe ouvrière va pouvoir s'appuyer maintenant sur l'État, alors qu'avant, il y avait une certaine réticence, il y en avait une certaine méfiance même dans les milieux syndicalistes. La classe ouvrière va pouvoir maintenant s'appuyer sur l'État, qui s'est renforcé, qui est puissant, pour des avancées. Et c'est toute la politique qu'il va essayer de conduire, qui a des limites, hein, parce que le patronat ne souhaite pas une telle intervention, mais qui parfois marque des points. Et il y a un autre possible, qui est celui qui se développe en particulier à la fois dans des synergies très complexes, hein, que je ne peux pas développer parce que ce serait trop long, mais où je dirais quand même que l'usine de guerre est le pivot central, l'usine de guerre et puis bientôt la banlieue aussi par certains côtés, si on essaie de regarder à la fois l'aspect spatial et l'aspect industriel. Pensons à Renault qui passe de 1000 ouvriers avant 1914 à 15 000 en 1917. Pensons à Citroën, qui n'existe pas à Javel, et qui fait travailler 8000 personnes à Javel en 1917. Donc, il y a la naissance de cette grande usine, et là, je n'ai pas le temps de développer, qui crée un autre type de possibilités à travers des grands mouvements sociaux qui vont se développer dans la guerre et avec un rebond qui se fait en lien avec la révolution russe de 1917. Voilà. Donc, il faut bien prendre conscience que de la guerre naît des conceptions qui continuent par certains côtés, mais renaissent, se transforment, se retravaillent, des conceptions différentes, alternatives, qui s'appuient sur des réalités dans les deux cas. Dans un cas, c'est la perspective de jouer sur l'État et d'aller vers un réformisme qui se traduit dans la CGT par ce fameux programme minimum de la CGT, mais qui s'effondre d'ailleurs en partie après la guerre, hein, parce qu'au fond l'État se retire, et la perspective d'une transformation sociale parce que la guerre induit des drames humains, des difficultés sociales et aussi des conditions d'action dans les grandes usines, dans toute une série de... Alors, je dis ces deux conceptions hein, qui sont maintenant posées en partie par la guerre, qui bien entendu vont connaître des mutations dans l'après-guerre. Mais voilà, ça c'est tout à fait essentiel d'avoir en tête que de la guerre sort deux idées qui continuent à coexister au sein du mouvement ouvrier, qui ont à exister dans le mouvement ouvrier, mais qui vont effectivement cette fois-ci scissionner. Peut-être, merci beaucoup pour ces premiers éléments. Peut-être que je peux demander à Frédéric Genevet quelques mots, peut-être sur cette chose étrange, c'est qu'au départ, on part donc d'un parti qui, a priori, est mobilisé sur les questions de la paix. Finalement, donc Jaurès, l'apôtre de la paix, Jaurès assassiné, finalement l'Union sacrée, et ces deux possibles qui se dessinent pendant la guerre, comme vous l'expliquiez à l'instant. Et puis, va apparaître ce qu'on va appeler une minorité de guerre, c'est-à-dire que pendant cette guerre, au sein du mouvement ouvrier, au sein des socialistes,
Certains vont finalement s'écarter un peu de la voie suivie très massivement en 1914. C'est la première série de questions que je voulais poser à Frédéric Genevet, c'est-à-dire peut-être qu'il nous parle un peu de cette minorité de guerre. Et la deuxième aspect, c'était, et 1917 finalement, 1917, pas seulement dans sa dimension, on va dire, française ou Première Guerre mondiale, mais est-ce qu'il y a un écho ou pas de 1917 comment dire, en France, dans le mouvement ouvrier, est-ce que ça a un enjeu ou pas en 1917, voilà. D'abord, merci pour l'invitation à ce premier débat numérique sur le centenaire organisé par le PCF. Je partirai de ce qu'a dit Jean-Louis tout à l'heure quant à la question de la trahison. Effectivement, le sentiment de trahison est très très fort au Congrès de Tours. Mais c'est-à-dire que l'idée, nos élites, je parle du sentiment de trahison au sein du Parti socialiste avant qu'il ne devienne le Parti communiste. Nos dirigeants, nos élus ont trahi le mandat qui devait être le nôtre, celui de nous opposer par tous les moyens à la guerre. Mais ce sentiment de trahison, il est fort, il est même majoritaire au sein du Parti socialiste en 1920, mais il naît progressivement au cours de la guerre. C'est les effets, c'est la durée et les conditions de la guerre qui progressivement amène à l'idée que la direction du Parti socialiste et de la CGT, mais c'est très compliqué pour encore plus compliqué pour la CGT, ont trahi. Et donc, c'est au cœur du Parti socialiste que très progressivement va émerger une opposition à la guerre. Mais c'est une opposition qui reste très, 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 très minoritaire, au moins jusque dans l'année 1917. Ce sont des tout petits groupes qui s'opposent, comme au niveau international d'ailleurs, à part le parti bolchevique, ce sont des petits groupes qui s'opposent à la guerre. Mais ces petits groupes vont gagner en influence. Mais ce qui fait l'originalité du cas français, c'est que l'opposition à la guerre va aussi se développer au cœur du parti socialiste. C'est une des explications d'ailleurs qui nous permet de comprendre pourquoi en France, la création du Parti communiste a été le fruit d'une décision majoritaire. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement, je vais le dire comme ça, la gauche ou l'ultra-gauche, prenez les mots avec plein de guillemets, du Parti socialiste qui s'oppose à la guerre. C'est une minorité de guerre, mais qui est installée au cœur, ça va pas se faire l'appareil du jour au lendemain. C'est les gens autour de Jean Longuet qui vont progressivement gagner en influence. Donc la durée de la guerre, les conditions de la guerre, je veux dire la boucherie, je veux dire ça a des effets sur les militants, sur l'encadrement du parti socialiste. Et évidemment, là-dessus s'ajoute, là c'est la question que tu posais, Guillaume, s'ajoute l'effet 1917. Alors, il est paradoxal l'effet 1917, parce que 1917, c'est deux révolutions en Russie. Or, celle de février 1917, j'ai envie de dire qu'elle elle aurait plutôt tendance. Alors d'abord, rappelons-nous que quand même les nouvelles circulent de manière très compliquée. Ce qu'on sait en France de la situation en Russie, que ce soit en février ou ensuite en octobre, c'est très, c'est un peu flou, on va le dire comme ça. Quoi qu'il en soit, la février 17 a un effet qui va plutôt avoir tendance à renforcer ceux qui sont pour la guerre, parce que un des arguments de l'opposition à la guerre dans le Parti socialiste, c'est de dire nous combattons l'autoritarisme allemand, mais nous sommes aussi alliés de la Russie qui est dirigée par un tsar et qui a un régime autoritaire. Or, cet argument ne tient plus à partir de février 1917, puisque la Russie change de régime et renverse l'autocratie. Juste pour que personne ne soit perdu, parce que on se rappelle bien que la Première Guerre mondiale, elle oppose deux alliances qui sont donc la triple entente, donc la France, la Grande-Bretagne et la Russie. La Russie est alors un empire autoritaire dirigé par un tsar, et que la révolution de février, elle va mettre un terme
à cette autocratie tsariste, avec une aspiration forte pour la paix, mais qui finalement n'est pas traduite dans les faits. Oui, surtout que le gouvernement russe qui se met en place à partir de février 1917 continue la guerre. Et d'ailleurs, la France envoie plusieurs missions, le gouvernement français envoie plusieurs missions en Russie, dont Samba, je crois, hein, ou Alberto Papillon, consolider cette alliance avec la Russie qui rentre dans une instabilité. Donc, février 17, ça a un effet un peu paradoxal. En revanche, évidemment, octobre 17 a un autre effet, mais à, comment dirais-je, avec un décalage dans le temps, parce qu'on ne sait pas trop ce qui s'y passe, qui sont les bolcheviks. Bon, voilà, c'est un peu compliqué. Et ce qui se passe, c'est qu'au lendemain de la guerre, si je reprends ce que disait Jean-Louis, il y a deux idées qui coexistent, une idée révolutionnaire, une idée réformiste. L'idée réformiste, comment dirais-je, elle peut gagner en crédit. Normalement, par exemple, l'obtention de la journée de 8 heures peut être mis aussi au crédit de la politique réformiste. Mais en novembre 19, le Parti socialiste échoue, relativement, mais échoue aux élections législatives, alors qu'il aurait pu penser qu'il allait recueillir des profits électoraux et politiques fidélité, une grande part, enfin oui, de sa fidélité à l'Alliance française et à la guerre, au fait que la France participe à la guerre et donc à la victoire. Et d'autre côté, vous avez aussi un échec des grèves de 1919-1920. Donc là, alors c'est très complexe aussi, mais pour aller vite, de la voie syndicaliste révolutionnaire, de ce qui reste du syndicalisme révolutionnaire dans la CGT, donc double échec. Échec électoral et donc échec à court terme en tout cas du réformisme, échec des grèves parce qu'elles sont parce qu'il y a des divisions au sein de la CGT, parce que le mouvement ouvrier est réprimé, il y a plein de raisons, en tout cas échec. Et donc qu'est-ce qui reste comme perspective? Ben, ceux qui ont gagné, c'est ceux qui ont fait la révolution en octobre 1917 et qui ont été capables, dernière chose qui peut jouer chez les Français, qui ont été capables de rester au pouvoir plus longtemps que les communards. Donc ça nous amène déjà, on a déjà bien avancé ici, donc cette guerre qui est une césure importante avec 14, la guerre en elle-même qui dure, l'expérience russe qui, contrairement peut-être à ce qu'on a pu dire à un moment, même parfois au Parti communiste, il n'y a pas forcément une adhésion immédiate et enthousiaste à octobre, parce qu'octobre c'est aussi le départ de la Russie qui quitte la guerre, parce que aussi dans le mouvement socialiste français, quand on lit l'Humanité en octobre 17, qu'est-ce qu'on voit? On voit finalement que, eh bien, l'Humanité est tout à fait, qui est l'Humanité qui est donc pour la guerre à ce moment-là, hein, l'Humanité est tout à fait hostile aux bolcheviks puisqu'elle soutient, le gouvernement de février. Donc il y a, c'est vrai, pas une adhésion immédiate, mais c'est vrai que des partisans de cette option-là vont commencer à grandir, à se multiplier dans le contexte que vous avez évoqué. Je vois que Jean-Louis Robert voulait réagir, mais on n'a pas encore entendu Jacques Giraud, donc comme vous… Réaction, juste une seconde, pour nuancer un tout petit peu un point quand même. L'adhésion à la Révolution russe, oui, totalement, comme a dit Frédéric, progressivement, l'idée que ça dure, que c'est un succès durable, etc. Mais pendant la guerre même, il ne faut pas entièrement voir un monde pacifiste et croire que tout d'un coup… La défense nationale a disparu de la tête des gens. On le voit très, très bien lorsqu'on voit les grands mouvements de grève qui sont des mouvements très importants en 1918 dans les usines et où à la fois il y a une volonté de lutte qui est très, très forte et qui déborde les directions confédérales de la CGT, par exemple, hein, qui est très réticent et où on veut la paix, on veut absolument la paix. Il y a toute une série de mots d'ordre que je ne peux pas développer, mais il y a une grande réticence à voir les Russes signer le traité de Brest-Litovsk dans les rangs de la classe ouvrière. Parce que comment
comment ils abandonnent des territoires et nous, on ne va pas signer une paix alors que les Allemands sont encore à 100 km de Paris, etc. Donc voilà, le traité de Brest-Litovsk crée aussi au sein de la classe ouvrière, je dirais même au sein de chaque personne de la classe ouvrière. C'est pas seulement, c'est plus compliqué, comme dans une scission même. Au sein de la classe ouvrière même, un complexe. Oui, cette révolution est formidable, mais non, elle est en train d'abandonner la France, même si on souhaite la paix, mais elle abandonne la France. Et elle abandonne aussi ses propres des milliers de kilomètres carrés aux Allemands. Donc, il y a une réaction très, très complexe, qui est à la fois d'adhésion très profonde, mais aussi quand même par moments d'inquiétude devant cette situation. Voilà. Et ça ce n'est pas seulement là une coupure nécessairement réformiste, révolution. Je pense que ça passe souvent à l'intérieur même d'un soldat d'un ouvrier pendant cette période en 1918 qui est très complexe. Évidemment, après la guerre, c'est ce genre de réticence s'atténue hein, très largement. Alors peut-être qu'on peut marcher vers le congrès de Tours avant qu'on ait terminé sans en avoir parlé, avec ces éléments importants qui permettent de se repérer dans ce monde compliqué et lointain. J'espère que vous arrivez à nous suivre parce que c'est une plongée dans un monde très, très lointain, très, très différent du nôtre. Donc, pendant la guerre, la minorité, donc celle qui s'oppose à la poursuite de la guerre, elle va devenir majoritaire. À la fin, en réalité, cette minorité autour de Jean Longuet, qui est une figure importante, hein, donc, qui est notamment symbolique, parce que si elle est rattachée à Karl Marx directement, donc cette minorité devient majorité. Et c'est comme ça que Marcel Cachin, qui n'était pas minoritaire, mais c'est vrai. Mais en tout cas, dans ce cadre-là, dans le cadre de cette alliance, même si lui n'était pas minoritaire, en tout cas, il se retrouve à la tête de l'humanité comme ça en 1918, avec Frossard, qui lui, pour le coup, donc retenez ce nom, Frossard, important, Frossard, qui lui, pour le coup, était un proche de Jean Longuet, c'est-à-dire de la minorité. Donc, il y a des modifications qui se font pendant la guerre, vous voyez, ça bascule, ça change, si je peux dire, au cours de la guerre. Et à côté de cette minorité plus sage, on va dire autour de Frossard et Longuet, il y a aussi des courants qui se réclament plus directement des bolcheviks qui commencent à avoir un écho un peu plus important par différents biais. Alors là, je suis un peu embêté parce que ça m'ennuie beaucoup si on doit passer par-dessus l'énorme après-guerre, c'est-à-dire, certes, le congrès de Tours, c'est en 1920, mais c'est en décembre 1920, et il se passe beaucoup de choses avant. Il se passe ces grands mouvements, très grands puissants et très puissants mouvements de grève, qui ont des effets majeurs et sur lesquels Jean-Louis Robert, notamment, a beaucoup travaillé. Et puis, il y a les élections, décevantes de 1919 pour le Parti socialiste, décevante dans la mesure où en Allemagne, les socialistes, même s'il y a évidemment les problèmes avec des tensions à l'intérieur du mouvement ouvrier, cependant, c'est Ebert, c'est eux quand même qui marchent devant. Dans le Royaume-Uni, les travaillistes ont des progrès bien plus considérables que ce qui se passe en France. Donc, vous voyez, peut-être qu'on peut affiler directement sur le congrès de Tours, mais en ayant bien en tête qu'il y a eu cette expérience forte de la guerre, et ensuite, cette expérience très importante de l'immédiat après-guerre, où en deux ans, il se passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses importantes sur fond, par ailleurs, de problèmes sociaux qui sont réels, hein, de réadaptation de l'économie de la société après la guerre. Mais peut-être qu'avec Jacques Giraud, on peut aller peut-être directement se pencher directement sur ce congrès de Tours de décembre 1920, peut-être pour qu'il nous présente un peu ce qu'il voudra d'ailleurs. Allez-y, Jacques, allons-y. Je voudrais, il y a pas mal de choses qui ont déjà été dites, hein, donc je ne vais peut-être pas répéter ce qui a été dit, parce que, bon, à la limite, c'était suffisamment clair. Hein. Oui, le congrès de Tours, c'est un congrès socialiste. Bon, dans la tradition de ce que sont les congrès socialistes. Avec des motions, avec une organisation précise. On débat d'abord dans les fédérations, et puis on élit des délégués, etc. etc. Hein, et puis on se prononce sur des motions. Le problème, c'est que
jusqu'en 1914, ces congrès intéressaient certes la France ouvrière, etc., mais prenaient quand même une part minoritaire, finalement, hein, dans les débats publics. Or, fait nouveau, en 1920, au Congrès de Tours, c'est l'immense majorité de à la fois la classe ouvrière, la gauche française, etc., qui débat, faut-il ou non adhérer aux idées de la Troisième Internationale, hein. Et c'est ça qui fait la nouveauté du point de vue organisation. Mais comment est-on arrivé là, hein? Il y a eu dans tous les pays une trahison des socialistes, hein, parce qu'ils s'étaient tous engagés pour la paix et ils ont fait la guerre. La guerre avec toute une série de conséquences et ça a duré pendant 4 ans. Naturellement, dans le Parti socialiste français, s'est dégagé progressivement une petite minorité qui était contre l'union sacrée, la participation, mais pas contre la guerre, hein. On est allé là progressivement. Et cette minorité, elle devient majorité, si on peut dire, hein, à la fin de 1918. Hein. Et au début 1918. Et à partir de là, les choses changent sur le plan de l'organisation. Hein. Quand la paix se fait, on reconstruit le Parti socialiste et le Parti socialiste subit des échecs, notamment les élections législatives de 1919. À partir de là, naturellement, la porte est ouverte pour un certain nombre de débats à l'intérieur. Hein, et ces débats, eh bien, se traduisent par faut-il ou non adhérer à la nouvelle internationale. Le congrès de Strasbourg en février 20 dit oui, il faut adhérer, mais attention, il faut d'abord la connaître. Donc on envoie Cachin-Frossard, hein, et ils reviennent naturellement, mais le problème c'est qu'il y a toute une partie de l'opinion française qui débat autour de la transformation du parti et de l'adhésion à la Troisième Internationale. Hein, et c'est tout le rôle du comité pour la Troisième Internationale, hein, qui, de façon très, très particulière, etc., etc., arrive à convaincre, arrive à faire rompre les hésitations, tout cela, hein, et progressivement, à la veille du congrès de Tours, en décembre 1920, on sait déjà que toute une partie du parti, et ses filles, hein, est d'accord pour adhérer à la Troisième Internationale. Mais, d'accord, mais avec réserve. Et c'est tout l'enjeu du congrès de Tours qui est d'essayer de convaincre, hein, les militants de ceux qui sont dans le courant qui avait été construit à Strasbourg, hein, comité de reconstruction internationale, de convaincre que c'est l'internationale communiste qui doit être leur débouché et non pas quelque chose. Hein. Alors, à partir de là, on voit très bien que quand commence le congrès… Attends. Jacques, peut-être un tout petit mot, juste pour être bien sûr que je vous comprends bien. Donc, en gros, quand le congrès de Tours approche, en gros, on a donc ceux qui sont partisans de cette nouvelle internationale impulsée par Lénine en 1919, l'internationale communiste, qui veut vraiment des partis d'un type nouveau, de certaine manière, donc qui appelle des ruptures par rapport aux modèles antérieurs, à certains égards.
Il y a de l'autre ceux comme Bloom qui sont vraiment, vraiment assez hostiles à ça. Et il y a tout ce milieu autour de Longuet, si je puis dire, donc les reconstructeurs que vous évoquez, qui eux, dont eux, on ne sait pas très bien en quel sens ça va aller. En gros, c'est à peu près ça. Voilà, si voilà. On... Bon, et c'est justement dans ces milieux-là qu'il y a une action particulière à mener pour détacher une partie de ces militants pour qu'ils se rallient finalement à la troisième, l'adhésion à la Troisième Internationale. Mais les résistants, comme on les appelle maintenant, s'organisent parce qu'il y a un certain nombre de militants, Renaudel, Blum, etc., qu'ils ne veulent pas de ce qu'ils appellent le bolchevisme, quoi, en fait, hein, qu'ils ne veulent pas de cette aventure nouvelle. Hein, et à partir de là, naturellement, on a, Jean-Louis appelait ces militants-là des traîtres. Mais oui, hein, on a une cristallisation, hein, dans le courant d'adhésion. Cette cristallisation est menée de façon extérieure par toute une série de militants qui sont dans le comité de la Troisième Internationale. Et c'est là qui est intéressant, parce que la motion d'adhésion à la Troisième Internationale, c'est la motion Cachin-Frossard, certes, mais aussi la motion du comité de la Troisième Internationale. Et c'est cette rencontre qui en fait la force, et qui, progressivement, puisqu'il y a eu débat à l'intérieur des organisations socialistes, dans les fédérations, il y a eu débat aussi à l'extérieur, hein, du mouvement socialiste dans la société française. Hein, toute une série de gens majoritaires, hein, disent « Ah non, surtout pas de bolchevisme, etc. etc. » Hein, mais des gens un peu nouveaux, hein, s'interroge sur l'opportunité éventuellement d'aller vers quelque chose de nouveau. Hein. On a donc tout un travail qui a été fait depuis la fin de la guerre et depuis la déclaration, grossièrement, de la fondation de ce qui devient la Troisième Internationale. On a, hein, toute une série d'initiatives progressives où la fondation du groupe Clarté, par exemple. Hein, il y a quelque chose là qui se passe profondément dans toute la société française, et naturellement, cela débouche sur ce vote extraordinaire qu'en fait, hein, d'une création d'un parti allant, mais il continue toujours à s'appeler Parti socialiste, hein, section française et internationale ouvrière, hein, nationale communiste. National communiste. Oui, hein, donc on est là, les jeux ne sont pas faits, hein, parce qu'au sortir du congrès, on est majoritaire, oui, certes, mais les autres, ils peuvent peut-être encore changer. Hein, on a fait changer toute une série de centristes. Hein, mais y a, là, c'est fragile. Toute une série aussi de gens qui étaient extérieurs, finalement, hein, à la tradition socialiste, qui se sont ralliés là, hein, qu'est-ce qu'ils vont faire? Hein, y a une sorte d'hésitation. Alors, certes, il y a le discours de Vaillant-Couturier, etc., etc., hein, mais à partir de là, on est dans l'incertitude. Et c'est dans les quelques mois qui suivent et quelques peut-être années qui suivent, hein, qu'on va avoir la création d'un parti qui devient parti communiste à un certain moment. Hein, il y a donc là, alors il faut bien comprendre aussi que dans ce jeu-là, il y a le rôle de l'international, de ce qui devient la Troisième Internationale. Hein, et ce rôle est un rôle très, très particulier, puisqu'il rédige les 21 conditions. Les 21 Alors, oui, conditions mais... qui sont adressées essentiellement au courant
Longuet, courant reconstructeur, en disant, voilà, si vous adhérez à notre international, il faut remplir telle et telle condition. Peut-être que je parle sous votre contrôle, mais en gros, c'est comme si on avait un parti, donc il y a Blum qui est ici, il y a cette minorité qui est devenue la majorité qui serait le centre, et effectivement, ils ont réussi à arracher une partie importante avec Frossard, donc, qui était ce centre-là pour l'amener du côté donc, de l'adhésion à l'international communiste, d'une part, mais il reste encore un enjeu autour de figures comme Jean Longuet, etc. Et peut-être un peu dire un mot sur cette question donc, des conditions, parce que dans l'international communiste, effectivement, qui ne veut pas de la poursuite pure et simple de, comment dire, du Parti socialiste d'avant-guerre qui a failli, c'est la formule de Lénine, la faillite de la deuxième internationale, l'international socialiste. Et donc, ils veulent entraîner largement, mais en mettant des conditions pour éviter. Et parmi ces conditions, il y a une question, j'ai vu Frédéric Genevet qui veut sans doute en parler, autour, même parfois nominativement parlant, il y a un enjeu aussi autour d'une de ces grandes figures de ce centre-là, qui est Jean Longuet, dont Frossard, suivez, hein, Frossard, c'est compliqué, je sais, j'espère que vous nous suivez encore, dont Frossard est très proche, Frossard qui à ce moment-là est le chef du Parti socialiste SFIO et qui va devenir le chef du Parti socialiste SFIC. Alors, oui, mais c'est réglé depuis longtemps. Mais comme il est en train de vous faire parler. Excusez-moi, hein. Ça se règle à ce moment-là, puisque les 21 conditions indiquent expressément qu'il faut ne pas conserver les centristes. Les centristes, donc, Longuet. Et tout le monde comprend. Hein. Ouais, mais... Il y a là quelque chose de tout à fait particulier dans le Congrès. Alors, c'est naturellement, là, on envoie Clara Zetkin hein, pour faire le discours qui va hacher. Vous êtes tous gentils, messieurs, etc. etc. mais vous ne pouvez pas conserver, et c'est accentué par le télégramme de Zinoviev, qui met les choses au clair, quoi, en fait. Hein. Et à partir de là, il est bien évident que il y a une vie propre du Congrès hein, qui s'arrête, qu'en fait, hein, parce que jusqu'à maintenant, beaucoup de choses se passaient en coulisses. Hein, on a le témoignage d'un certain nombre de militants, etc., qui souvent quittent la salle du Congrès pour aller discuter entre eux. Hein, et là, naturellement, le rôle de ceux qui sont en prison est extrêmement important, hein, et naturellement Souvarine, hein, mais il n'est pas le seul, hein, membre du comité de l'Assemblée nationale. Frédéric. Oui, oui, juste dire une chose. D'abord, quand le Congrès, j'ai une petite nuance, mais c'est peut-être une nuance chronologique en fait avec Jacques, c'est que quand le Congrès s'ouvre, les votes ont eu lieu dans les fédérations, et les militants socialistes ont départagé les trois motions principales qui sont en concurrence. Et donc, c'est celle de Cachin, Frossard, Loriot, Souvarine qui l'a emporté largement. Et donc, on sait à l'ouverture du Congrès que c'est l'adhésion sans hésitation, on va dire, qui est majoritaire. Mais à propos des conditions, des 21 conditions, au Congrès, comme dans les fédérations départementales, il n'y a pas de vote formel. Non. Sur les conditions, on vote la motion majoritaire dit, en gros, voilà, il y a des conditions, elles ont été publiées dans l'Humanité, donc on les connaît. Il y a des conditions, et adhérer à l'international communiste, ça veut dire adhérer à ces conditions. Mais dans la motion, pour certaines des conditions, et pendant le Congrès, on tourne autour des conditions. D'ailleurs, entre parenthèses, une des conditions dit que le parti doit s'appeler Parti communiste. À la sortie du Congrès, il ne s'appelle pas Parti communiste, il s'appelle Parti socialiste, section française de l'international communiste. Donc, ça veut dire que le Congrès n'applique pas l'une des conditions. Celle sur les syndicats, c'est la même chose. Il y a on joue sur les mots pour pas dire que les syndicats doivent être subordonnés au parti. On parle, je crois, de coordination syndicat-parti. Donc, y compris dans ceux qui sont majoritaires, qui ont les deux tiers, je crois, des mandats, il y a une
Ils sont majoritaires aussi parce qu'ils font leur propre interprétation des conditions et qu'il n'y a pas vote formel sur les conditions en question. Et puis, la dernière chose que je voulais dire, c'est que pour comprendre, alors il y a tout ce qu'on a dit sur la guerre, etc., l'impact de la révolution russe, c'est, moi, j'ai été surpris, là, quand on a préparé l'exposition et le livre, j'ai donc relu les trois motions. Et ce qui est très marquant, c'est que celle qui est majoritaire, celle de Cachin, Frossard, Loriot, Souvarine, elle est beaucoup plus incarnée. Elle parle de la guerre, elle parle de la boucherie, alors que celle de Blum ou celle de Jean Longuet sont des textes théoriques, abstraits, généraux, et qui en réalité ne peuvent pas, enfin c'est facile à dire maintenant, mais ne peuvent pas convaincre des gens qui viennent de passer 4 ans de guerre, qui ont connu, qui connaissent les difficultés de l'après-guerre, celle de Souvarine, ouais, et de Loriot, et Frossin-Cachard, c'est vraiment un texte qui parle aux militants de 1920, qui parle au cœur, qui parle à la raison, mais qui parle aussi au cœur. Les deux autres textes parlent essentiellement à la tête et pas au cœur. Et je crois que les rédacteurs de la motion ont exactement trouvé le bon endroit pour gagner, en fait. Pour eux, c'est l'enjeu, quand même. Voilà. Oui, moi, Jean-Louis Robert. Je veux dire quelques mots par rapport au caractère un peu plus général de ce mouvement. Est-ce qu'on pourrait entendre parfois, et on l'a lu, c'était la thèse d'Annick Riegel, hein, historienne extrêmement célèbre, et on pourrait laisser entendre un peu qu'il y a un discours événementiel qui conduit à cette majorité qui va à Tours. C'est-à-dire, voilà, les gens ont été mécontents, sortent de la guerre, il y a eu des luttes, ils sont mécontents, c'est un drame affreux, c'est une boucherie abominable, ils veulent une amélioration sociale, ils mettent des luttes qui sont parfois victorieuses, mais qui conduisent à l'échec, ils perdent l'élection socialiste en novembre avec un nombre de députés inférieur à celui de 1914, même si c'est surtout dû au système de liste qui avait changé le sort de beaucoup de sortants socialistes. En mai 1920, le mouvement aboutit à un échec dramatique. Des milliers de cheminots sont revoqués. C'est une situation absolument dramatique. Il y a des suicides à la suite de ce mouvement des cheminots de mai 1920. Il faut s'imaginer ce que ça a pu être comme condition. La CGT perd 800 000 adhérents en 6 mois. C'est quelque chose de... Effectivement, donc, on se tourne vers Moscou parce que, enfin, on a la solution. Donc voilà, comme si c'était un enchaînement d'événements qui ferait qu'il y a cette scission et une scission qui est majoritaire en faveur de l'adhésion. C'est vrai qu'il y a une lecture d'événements que nous avons décrite jusqu'à présent. En même temps, cette lecture pourrait conduire assez vite à un pessimisme sur l'avenir du Parti communiste, déjà à ce moment-là. Parce qu'au fond, dans une certaine mesure, l'espérance révolutionnaire qui est là, on dit bien encore à ce moment-là, cette espérance révolutionnaire à laquelle l'international tente encore de faire croire, même si ça évolue d'un congrès à l'autre de l'international, elle n'existe pas. En France, elle n'a aucun fondement réaliste. L'État français, la France est vainqueur. Elle fait partie des pays vainqueurs. Il n'y a pas une crise de l'État. L'État est sorti renforcé. Toutes les études l'ont montré. Il peut même se permettre d'alléger un peu son poids sur l'économie. Et donc, au contraire. Donc, la perspective révolutionnaire qui aurait été contextuelle, liée aux défaites antérieures, elle n'existe pas.
elle n'existe pas à la fin de 1920. En 1921, il est question de se lancer en France, en quoi que ce soit, dans un quart de début de mouvement révolutionnaire. C'est même dans les années qui suivent, 21, c'est une mauvaise année économique, après la croissance, etc. Bon, donc voilà, cette perspective-là, dans le réel, elle n'est pas. Donc je pense qu'effectivement, il faut aller, à mon sens, hein, sur quelque chose de plus durable. C'est-à-dire que c'est effectivement la volonté, mais pas qui est pas qui est en partie circonstancielle, qui entraîne une adhésion. Et en ce sens-là, je suis totalement d'accord avec la thèse de Hobsbawm sur le cours XXe siècle, hein, c'est-à-dire quelque chose de neuf qui naît avec la guerre de 14 et qui va durer pendant un certain nombre d'années, qu'il n'y a pas une rupture comme ça qui se fait dans l'après-guerre par rapport à la guerre. Non, il naît des exigences nouvelles pour un parti socialiste qui veut la transformation sociale. Alors, ces exigences nouvelles, elles sont susceptibles de solutions opposées, de solutions différentes. Voilà. Et donc, on va effectivement vers des exigences qui vont être à la rencontre, qui vont structurer un parti qui va aller à la rencontre. Je travaille avec Jack, mais il y en a d'autres, hein, qui va aller à la rencontre d'une réalité sociale et économique de longue durée. On pourrait dire que après la Première Guerre mondiale, c'est un peu l'apogée d'une certaine forme de la classe ouvrière qui va trouver dans un parti et un syndicalisme qui va prendre beaucoup à l'international, mais pas tout, hein, qui va prendre beaucoup à l'international, mais pas tout, une réalité qui lui donne force pendant des années, au-delà d'ailleurs de tous les virages politiques qu'il va connaître. Moi, mais en même temps, alors c'est-à-dire, Lénine le disait un peu, mais à mon avis, il n'avait pas tout à fait, c'était un peu rapide, la théorie de l'aristocratie ouvrière mérite d'être recreusée, hein, mais en même temps, y a la même chose qui rend le maintien d'un puissant réformisme. Parce que désormais, l'État qui sort de la Première Guerre mondiale, et ça va continuer avec la crise des années 30, puis la Seconde Guerre mondiale, puis etc., il y a cette capacité de tenir aussi cette ligne. Donc, moi, je pense qu'il y a vraiment… Alors, je l'exagère délibérément, hein, parce qu'il y a toujours des complexités, des passages qui vont se produire. Mais malgré tout, il y a des conditions qui sont précipitées par l'après-guerre, par le contexte de l'après-guerre, mais qui vont inscrire des bases sociales et économiques dans le contexte international pour des partis communistes, avec ces structures nouvelles qui sont envisagées par l'international. Voilà, donc je pense que c'est quand même assez important de le dire, et je conclurai en terminant par un phénomène, un dernier point que je voulais évoquer, qui est, avant 1914, et encore au congrès de l'immédiate après-guerre, celui de Strasbourg, on ne fait que s'appeler citoyen. À partir progressivement pendant la guerre et après la guerre, à Tours, on accueille les congressistes en leur disant camarades. Il n'y a pas une fois, quasiment jamais, citoyen employé pendant le congrès. C'est quasiment toujours camarades. Alors là, ce serait une autre rupture anthropologique qu'il faudrait envisager, sur laquelle il faudrait aussi creuser, qui est rapport à la République qui est bouleversé par le drame de la guerre.
Voilà, je vais donc essayer peut-être de dire, il y a effectivement des circonstances qui expliquent probablement la majorité plus forte que dans d'autres pays, qui existe beaucoup de, qui expliquent beaucoup de choses, mais il y a en même temps des transformations sociales, économiques, culturelles et anthropologiques profondes, qui s'étaient déjà un peu amorcées avant la guerre, qui se continuent, s'accentuent brutalement avec la guerre, et qui perdurent de manière un peu contradictoire, mais quand même le mouvement est lancé, et qui conduisent à cette structuration en deux parties. Voilà. Pour aller dans ton sens, ce sera nécessairement le mot de la fin, puisque nous avons déjà mangé notre petit quart d'heure de marche. Ah bon, tu ne veux pas que je fasse remarque? Ah, tu veux pas? Enfin, mais en un mot, parce que je l'ai refusé à Frédéric, alors après, ça va m'ouvrir une boîte de Pandore. Ah oui, est-ce que je vais demander la parole? C'est vrai. Alors, une minute maximum pour l'un et l'autre, alors, mais pas plus, hein, parce que. Oui, moi, j'ai 30 secondes. Pour aller dans le sens de Jean-Louis, le terme de citoyen n'est quasiment jamais employé par les partisans de l'adhésion à ce qui sera la Troisième Internationale. Le seul moment où on parle de citoyen, c'est quand on s'adresse à Clara Zetkin, la citoyenne Clara Zetkin. Et c'est significatif, je crois, d'un certain respect que l'on a, mais pour ceux de l'extérieur, et non pas entre Français. Et ça, c'est marquant. Et puis, en plus de ça, c'est une femme. Donc, il y a la valeur féminine qui fait qu'on conserve le terme de citoyen. Jacques, un dernier mot, Frédéric. Alors... Oui, par rapport à ce que dit Jean-Louis, je suis assez d'accord. C'est-à-dire qu'il y a une discussion historiographique pour savoir si finalement le congrès de Tours, ce n'est pas un accident. Ce serait finalement un accident lié à une conjoncture très étroite. Bon, ça, maintenant, plus personne ne dit ça. Mais en revanche, c'est un événement. Et je crois que, comme tout événement, il aurait pu ne pas avoir lieu. Parce que sinon, à l'inverse, dans ce que tu dis, Jean-Louis, il y a une forme de déterminisme mécanique qui est lié aux évolutions structurelles du capitalisme, de l'État, donc tout ce que tu as dit, et qui ne pouvait que conduire à la création d'un parti communiste puissant. Je ne crois pas ça. Moi, je crois qu'il y a aussi. Je crois qu'il y a aussi le rôle de la politique. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont pris des décisions, qui ont fait des choix politiques, le rôle de l'international, l'intelligence de l'international communiste pour à la fois édicter des conditions et en même temps avoir une certaine forme de souplesse pour accepter des gens comme Marcel Cachin, parce que quand même Marcel Cachin, il fallait le vouloir hein, dans l'international communiste, lui qui avait soutenu le gouvernement d'Union Sacrée pendant plusieurs années. Donc il y a une intelligence politique. Le congrès de Tours, on aurait pu avoir un parti communiste né avec simplement groupusculaire. Voilà, mais non, il y a eu des choix politiques et une intelligence politique. Voilà. Écoutez, je pense pas qu'il serait né. Non. Donc, merci vraiment beaucoup à vous tous, tous les trois, de votre participation. Merci à Adeline Blaskevitch-Maison qui avait accepté de participer et qui n'était pas là ce soir. En réalité, vous avez vu, on a essayé de faire au plus simple, mais c'est tellement lointain et tellement compliqué que j'espère que malgré tout, vous avez pu suivre ce que nous avons raconté. Je vous renvoie en tout cas vers les ouvrages dont je vous ai parlé par rapport à ce congrès de Tours, si vous voulez aller plus loin. D'une part, donc, l'ouvrage de Jean-Louis Robert et Jacques Giraud, « Temps des cerises », qui devrait sortir prochainement, qui était un petit choix de texte avec une anthologie et une introduction, donc, qui sera proposé au « Temps des cerises » prochainement. Et d'autre part, donc, l'ouvrage édité par le musée ben voilà, que tu montres, dont on parle le musée de l'histoire vivante de Montreuil, aux alentours du congrès de Tours. Il y a beaucoup d'autres ouvrages. Je veux signaler rapidement, je n'ai pas ici, mais Romain Ducoulombier a sorti, donc, qui était l'auteur d'une thèse par ailleurs sur le congrès de Tours, comme Annie Kriegel, a sorti récemment l'édition du discours de Léon Blum, puisque le congrès de Tours a une particularité, si vous voulez, de ne pas avoir des interventions minutées à 3 minutes chacun, puisqu'en fait, de longues interventions fleuves, si vous voulez, d'un certain nombre de personnes très théoriques, très parlementaires, très tout ça. Et donc, notamment Blum, mais aussi Cachin et d'autres. Et donc, en l'occurrence, Gallimard, Folio Gallimard, vient d'éditer l'intervention de Blum au Congrès de Tours, qui est un texte célèbre dans le courant réformiste. Signalez également que la revue 1900,
vient de sortir ce petit numéro dans lequel il y a quelques articles consacrés au congrès de Tours. Et puis, je voulais donc signaler l'ouvrage de Romain Ducoulombier, ce que j'ai fait également. Eh bien, je vous remercie à toutes et à tous. Et donc, mardi prochain à 18h, nous aurons un débat qui nous amènera du côté de l'histoire de l'art. Nous serons avec Picasso et avec d'autres, autour de Picasso, évidemment. Picasso ne sera pas là, vous l'avez bien compris. Mais nous aurons Yolande Rahl, qui était directrice du musée de la Poste. Il y aura également Bruno Godichon, le directeur du musée de la Piscine à Roubaix. Il y aura également Pierre Thorez, puisque le journal de Maurice Thorez permet d'entrer aussi dans cette familiarité que Maurice Thorez avait avec un certain nombre d'artistes. Et Pierre Thorez évoquera cela avec ses deux critiques d'art. Merci à toutes et à tous et à bientôt.